À Horizon FM, on prend une pause lecture. C'est l'heure de la pause lecture et nous parlons à notre chroniqueur Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Vous commencez avec un auteur québécois que j'aime bien, moi, qui s'appelle François Lévesque, qui nous propose Neige rouge, encore une fois une enquête policière. Oui, effectivement, c'est un roman de François Lévesque. Qui est François Lévesque, soit dit en passant, critique, qui est journaliste culturel, critique de cinéma au journal Le Devoir. Donc, vous le lisez peut-être régulièrement si vous êtes un lecteur du journal Le Devoir, et comme il a fait des études en cinéma, François Lévesque, bien, il s'est intéressé évidemment à l'écriture, et Neige rouge, c'est un de ses romans qui est assez particulier. Donc, on est dans le nord québécois, dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue, dans un endroit qui s'appelle Nottoway, et on soupçonne un trafic de stupéfiants. Donc, on va demander à deux policiers du poste de la Sûreté du Québec de ce secteur-là d'aller enquêter au domicile d'une Amérindienne qui s'appelle Anna Wabanonik, et donc, on arrive chez elle, mais on la soupçonne pas. Elle n'a pas de dossier criminel, cette femme-là, mais elle sait peut-être quelque chose. Alors, on arrive chez elle, et la femme, avec sa fille, au moment où elle voit arriver les policiers, se sauve derrière sa maison et se sauve en raquette dans le bois. Alors, évidemment, les deux policiers partent à la rescousse, vont courir après elle dans le bois, jusqu'au moment où un des deux policiers sort son revolver, crie à la femme de s'arrêter, qui ne s'arrête pas, sort son revolver et pow, tire sur la femme en question. Alors évidemment, son confrère, qui s'appelle Parent, et se retourne vers son confrère et lui dit, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui te prend là? On n'a pas à tirer sur cette femme-là dans les circonstances actuelles. Et là, l'autre policier lui dit, écoute, il n'est pas question qu'une guidoune comme celle-là vienne nous scraper, et va tourner son arme vers Parent et tire sur Parent. Tau! Et par la suite, se suicide. Alors évidemment, Parent ne meurt pas, va se remettre de ses blessures parce qu'il a réussi à éviter le coup de feu comme tel. Et là, l'enquête va commencer. On va demander à des policiers de l'extérieur de faire cette enquête-là. Et pourquoi un policier tire sur un autre policier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette phrase-là a été dite? Alors, évidemment, c'est toute l'enquête qui va commencer, qui va nous mener, évidemment, vers des choses que l'on n'aurait pas dû savoir à l'époque, parce qu'il y a évidemment tout un gratin qui est peut-être mêlé à ce genre de trafic de stupéfiants comme tel. Alors, c'est bien mené. François Lévesque sait écrire, évidemment, puis si vous aimez les romans policiers à saveur québécoise, bien, vous allez aimer ça, parce que le contexte étant québécois, bien, on se retrouve assez facilement. Alors, ça s'appelle « Neige rouge » de François Lévesque, et c'est publié par cette maison d'édition québécoise qu'il faut connaître, c'est la maison à lire. Maintenant, vous nous parlez du nouveau Arturo Pérez Reverte. Cette fois-ci, ça se passe en Espagne, sous le règne de Franco. Oui, on est en 1936, on est à l'automne, et Franco, évidemment, son armée s'est soulevée pour renverser la République comme telle. Alors, les services secrets franquistes vont charger un homme qui s'appelle Lorenzo Falco, qui est un ex-trafiquant d'armes, qui est un espion qui n'a aucun scrupule. Alors, on va lui confier une mission qui est presque impossible, c'est aller en zone rouge et organiser, avec l'aide d'un groupe de miliciens, l'évasion du fondateur de la phalange qui s'appelle José Antonio Primo de Rivera, un nom assez long sur un carton d'invitation. Alors, lui est détenu par les républicains dans une prison d'Alicante. Alors, ces gens-là vont être un peu la trame de cette histoire-là. Et ce qui est intéressant d'Arturo Pérez de Reverte, c'est que, vous le savez, certains de ses romans ont été mis en film, ou ça a fait des séries télévisées. Alors, celui-là ne passera certainement pas à côté, parce que ce qui est intéressant d'Arturo Pérez de Reverte, c'est que lui prend une trame historique réelle. Donc, la période franquiste en Espagne, qui a été une période malheureusement très, très dure pour les Espagnols, et ça les a retardés d'une vingtaine d'années. Et les phalanges, ça a vraiment existé. Alors, il prend cette trame historique véritable-là, et
Il inclut ces personnages qui sont fictifs. Et là, évidemment, les faits se promenaient dans cette période-là qui a été quand même une période assez sanglante en Espagne. Alors, Falco, c'est vraiment un méchant. Mais il va quand même s'apercevoir, parce qu'il va y avoir des rebondissements, il va quand même s'apercevoir qu'il se fait peut-être rouler le cher personnage en question. Alors, Arturo Pérez Reverte, c'est son dernier qui s'appelle Falco et c'est publié aux éditions du Seuil. Vous n'aviez pas encore eu la chance de nous parler de l'essai « Peur, Trump à la Maison-Blanche » du journaliste Bob Woodward, mais au moment de sa sortie, là, c'est un livre qui a fait grand bruit. Oui, effectivement. Puis moi, j'attendais la version française du livre parce qu'aux États-Unis, c'est déjà sorti depuis quelques semaines. D'ailleurs, aux États-Unis, vous savez, présentement, ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, seulement en anglais, seulement aux États-Unis. Alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'en français, ça va se vendre également beaucoup. Alors, Bob Woodward, est-ce qu'on a besoin de le présenter? C'est un journaliste du Washington Post. C'est lui qui, à l'époque de Nixon, avait creusé pour le Watergate et Nixon avait été obligé carrément de démissionner comme tel. Et Woodward, à chacun des présidents, de tous les présidents depuis Nixon qui ont été à la tête des États-Unis, il a toujours écrit un livre sur chacun, sur le mandat de chacun de ces présidents-là, nous les présentant avec leurs bons et leurs mauvais côtés, s'ils avaient été de bons présidents ou de moins bons présidents. Alors, sur chacun de ceux-là, il a écrit un livre. D'ailleurs, c'est un des rares journalistes dans le monde qui a reçu deux fois le prix Pulitzer, alors faut quand même le faire. Alors avec Peur, Trump à la Maison-Blanche, il nous décrit ce président qui est complètement incohérent, qui apparaît comme un personnage qui est sûr de lui, qui déteste la faiblesse comme telle, qui est un homme d'apparence, qui n'écoute pas du tout ses collaborateurs. On dit que c'est pratiquement impossible de faire changer Trump d'avis lorsqu'il part sur un sujet qui lui tient à cœur, entre autres le protectionnisme, le fameux mur dans le sud des États-Unis, sur l'Iran, sur la présence militaire des Américains à l'étranger. Lui, il dit que ça coûte trop cher, puis on n'a pas d'affaires là, puis il faut se mêler de nos affaires, etc., etc. Et Woodward nous apprend également que Trump, c'est un gars qui ne lit pas, qui déteste les longs rapports, que chaque jour, lui, ce qu'il aime, là où il aime prendre ses informations, c'est devant la télévision avec le canal Fox News. On sait que Fox News, qui est quand même un canal presque d'extrême droite, son entourage le supplie de cesser de faire des tweets parce qu'évidemment, il se met souvent les pieds dans la bouche et il dit non. Je vais continuer à en faire parce que pour moi, c'est le moyen de parler directement à mes électeurs et vous ne m'empêcherez pas de faire des tweets. Et là, Woodward nous dit, c'est malheureux parce que Trump a recruté quand même au début de son mandat des collaborateurs, des gens qui étaient brillants dans chacun de leurs domaines. On pense par exemple au président de Goldman Sachs, Mr. Cohn, le président d'Exxon, Tillerson, le général des Marines à la retraite, Monsieur Mattis, Monsieur Kelly également qui est un autre général. Ces gens-là ne partagent pas la philosophie, les options politiques de Trump, mais ayant été choisi, les gens pensaient ben on va être capable de le conseiller, de lui montrer de lui donner les bonnes décisions à prendre et il ne les écoute pas. D'ailleurs c'est pour ça Caroline que vous le savez depuis plusieurs mois, ces gens-là, l'entourage sont de Trump, tous partis. En tout cas, l'entourage des premiers mois, ces gens-là ont presque tous démissionné ou à peu près, parce qu'ils n'ont pas de prise sur cet homme-là et ils ne les écoutent pas. Et c'est il nous apprend Woodward également que Trump, c'est un homme qui mène le pays comme un homme d'affaires. Donc, il prend des décisions qui sont souvent des paris, comme en affaires, des paris qui sont risqués. Il y a le secrétaire au Pentagone qui dit à chaque fois qu'il a à prendre une décision à partir d'un coup de bluff, ben il dit souvent ça nous mène vers des drames qu'on est obligé de par la suite de repédaler, de rétro-pédaler pour réussir à atténuer ces gaffes-là. Alors c'est un excellent livre. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui aime la politique américaine, ça, c'est le genre de cadeau idéal à donner à Noël. Alors, ça s'appelle « Peur, Trump à la Maison-Blanche ». Vous allez en apprendre. Là, j'ai effleuré, mais vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Les gens qui travaillent à la Maison-Blanche s'arrachent les cheveux depuis que Trump est là. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs. Certains ont pris leur retraite
parce qu'il s'ennuyait de la façon qu'avait Obama de les traiter. Il disait, oh, avec M. Obama, on avait l'impression d'être avec une famille dans cette maison-là. Avec Trump, ils ont l'impression d'être avec un dictateur. Alors, plusieurs ont donné leur démission. Alors, Peur, Trump à la Maison-Blanche de Bob Woodward, et c'est publié aux éditions du Seuil. Et en terminant, vous nous faites suggestion peut-être de cadeaux, de livres à glisser sous l'arbre de Noël. Ah oui, effectivement, juste, c'est une bande dessinée qui vient de sortir, qui a été dessinée par deux Belges qui s'appellent Morchouane et Fetjen. Ça s'appelle « C'est Cabot qui nous dirige ». Alors, le livre, il a un petit défaut tant qu'à moi, c'est que la première moitié du livre nous parle de politiciens français. Certains, on les connaît, d'autres moins. Et évidemment, la deuxième moitié, c'est vraiment des personnalités internationales. Ceux-là, on les connaît un peu mieux. Et eux s'amusent à prendre le visage de cette personne-là et de la ramener comme si la ramener à un animal, à un chien qui leur ressemble. Alors c'est pour ça que ça s'appelle C'est Cabot qui nous dirige. Alors par exemple, si on prend Trump, alors on fait le dessin de Trump, son vrai visage, et on ramène, et ça donne une espèce de gros bulldog insignifiant. Et on dit le bulldog américain. Il pense que le monde entier cherche à lui chipper son os. Alors ça, c'est pour M. Trump, mais il n'y a pas seulement lui qui passe au couteau de ces dessinateurs-là. Il y a également, il y a Barack Obama, lui, on dit, on le ramène, on prend son visage et on le ramène vers un grand caniche. Il y a également Madame Clinton, qui, elle, est ramenée à un cocker américain. Il y a Monsieur Poutine, que lui, on ramène à une espèce de gros toutou insignifiant. Alors, les grands de ce monde y passent, évidemment, en plus de des politiciens français. Alors, si vous aimez les bandes dessinées ou si vous êtes un collectionneur, c'est presque un livre de collection, c'est exactement comme un format un peu à la Tintin ou à la Astérix, c'est à peu près aussi la même épaisseur. Alors, ça s'appelle C'est Cabot qui nous dirige, de Morchouane et Fetjen, et c'est publié aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera le mercredi prochain pour la dernière chronique de l'année. Effectivement, à la semaine prochaine.